vraiment très spécial parce qu'on avait de la musique, on avait beaucoup de variété. C'est un groupe de Laval qui vient nous rendre visite ici dans nos studios. Vous allez me dire pourquoi Laval. Ben, c'est une personne qu'on n'a pas vue il y a quelques 4 ou 5 ans ici lors des premières émissions de Classic qui vont voir qui se souvient de cette fameuse émission du dimanche matin. Et c'est une personne qu'on avait avec la conférence complète tout à l'heure, c'est juste la base de Salagan. Avec nous présentement, ben, c'est pas Laval qui est avec nous, on va le voir tout à l'heure avec son groupe. Maintenant, c'est le gérant du groupe qui s'appelle le groupe George, on va leur demander pourquoi tout à l'heure, qui est avec moi, qui est de langue anglaise, alors je vais vous introduire tout de suite en anglais, et on va faire cette émission en français et en anglais comme ça, avant de dire que l'émission avance ça, et je vais faire quelque chose d'assez extraordinaire comme émission. So right away, as I introduce in French, we have people here in this group that's called George. We'll ask those people why they call themselves George and what kind of music they will be presenting us during this half-hour special show here on Channel 5. And to introduce the group itself, I thought would be David Morley, his manager and also MC for the group itself. David, welcome to Buckingham. Thank you very much. What kind of group are we seeing today here, David? Well, today the group is somewhere, they originated from the choir, the Holy Name Jesus Parish. And they figured out that they're good enough to branch off into a different kind of music. So that's what they, when they formed this group 2 months ago, that's what they wanted to do. They had a performance about 3 weeks ago at the Bell Community Center, and that went off really well. So we hope to show other talents that we have, and we have a little seat for them today. Okay, and in general, what kind of music does the group George present? Contemporary music, and most Robert songs, a lot of Robert songs. Okay, so we go right away to our group, and they'll be presenting more pieces that Robert did himself and a few others. This first song is very much the music, and we're about to put the music for it. So let's go for more time. Mesdames, Messieurs, le groupe George avec une interprétation dans cette émission. Person is thee, and by looking at the walls being scored, makes the preacher I've been ignored. Come forth and forget about the past, and the present that will never ever last. Come forth and reflect the day to come, for like a bandit I've been sky. Hear the cry still moistened by the tears left uncounted throughout the years. Feel the suffering and forget your injured pain, like the dogs that stepped out in the rain. By the tears left uncounted throughout the years. Feel the suffering and forget your injured pain, like the dogs I stepped out in the rain, like the dogs I stepped out in the rain. Come
sung that song really well. That's good. I said before that Bob wrote the music and his friend wrote the music. I'm sorry. It was Bob's friend who wrote the words and Bob put the music. Now, the next act you'll see will be a girl tap dancing, and Bob will be playing the song Old Jukebox Blues. So let's say hi to Janet. Well done, Janet. Whatever you do, don't hang up your dancing shoes. Okay, so some people in Buckingham know Bob Salagan, and I guess you're familiar with that song, The Old Jukebox Blues. Our next performer will be a girl, Sharon. She Irish dances, so just sit back and let her entertain you. Hate to see your feet after you take off your shoes tonight. How long you've been dancing? We'll ask you later. Okay, our next act is a personal friend of mine. I had her flown in from overseas, and we'll show you to her now. She has a new invention. Hi, Laura. How are you? Fine, and you? Fine, thank you. So what did you bring over to Canada? This is my midget. I invented her about 4 years ago. Worked out pretty well. Does your midget do anything special? Well, not special, mostly everyday things. I've taught her like what to do and to get up in the morning and things like this. You're gonna show us some things that she can do? Yes, I will. Okay. So we're on. You have to brush your teeth now. You've just woken up out of bed. Okay. Here's your toothbrush. Here is your toothpaste. Now, brush your teeth.
Would you like some help? Here you go. In your hand. Now, in your mouth. That is amazing. It's a little messy, don't you think? Soron! You did better than that this morning. What other things did Pizarro do? I'm sorry. Zora knows how to shave. Okay? Since this robot or midget is half female, half male, it has to do both. Yes. So Zoran is now going to shave. Okay? How powerful is the blade in the razor? Oh, not very powerful. It's just stubble. Is it a special one made just for your midget? Yes, because her skin isn't like a human. So. Okay. Okay, I'm going to give you some shaving cream now, Zoran. Okay. On your face, on your chin. Very good. Okay, that's good. Now, you're going to shave. Get this off your hand for you. Okay, here you go. Now, here's your razor. Shave. Easy. Easy. Kind of messy, don't you say? Well, considering she's only been in work for 4 years. How does she clean her face? Well, she cleans it with a face cloth, which she's about to do now, since she's got herself in such a mess. So, here we are. Okay, here's your face cloth. Now, wash all your face. Good. Okay. Does the midget do exercises? The midget does exercises. Would you like to see a few? Yes. Maybe other people would like to see how they get back into shape. Okay. Now, what she's going to do is a flying eagle. Okay, so on the count of three, start. One, two, three. One, two, three. Okay, very good. Very good. I'm proud of you. Now, I think you're in for a nice breakfast, don't you think? Okay, what would you like to eat for breakfast? Eggs? Oh, that's good. That's all I've got. Okay, now, here is your egg. And don't make a mess. You learned this nice before. Okay. That's a mess to clean up. Does the midget, is he married? Is she married or? No, I've... Does she live with anybody special? No, I've only created one to begin with, so. You plan on making more? If this one turns out okay, I will. Is there a special remedy that's going to go on the market? I don't think so. This is more of a private invention. You'd probably have to sell it or buy it from it. Well, thank you very much for coming over, Laura. And you're welcome. Thank you very much. Nice knowing you. And we'll see you later, okay? Okay. Thank you very much. Bye. Boy, my friend Laura really invented a weird product. Okay, our next group here is going to end off the show before we go into their interviews, and they'll be singing their own version of Brown Eyed Girl in the Ring. Brown girl in the ring, tra-la-la-la-la. She's a brown girl in the ring, tra-la-la-la-la-la. Brown girl in the ring, tra-la-la-la-la. She looks like a sugar in a pump. Show me a sugar in a pump. Show
see those people really go at dancing, eh? Okay, we're back here and we're gonna end the show off with an interview, then we'll have our last song. And to help me out with the questioning, I asked André to speak French to interpret it. So here, André. Thank you, Dave. Alors, comme je vous l'avais dit au tout début de la soirée, peut-être qu'il y a des gens qui se souviennent, il y a 4 ou 5 ans passés, on avait un gars avec nous en studio qui avait déjà enregistré un disque et puis qui nous l'avait présenté ici en studio pendant l'émission de Place au Pyjama. Et ce gars-là est avec nous, c'est lui qui est un peu l'instigateur de ce groupe qui s'appelle George. Et je vous le présente tout de suite, il est tout de suite à ma droite et à votre gauche sur l'écran, Robert Salagan. Bonsoir, Robert. Bonsoir, bonsoir. Bon, ben, ce groupe que tu... Est-ce que c'est toi qui l'as formé, première des choses? Si ça s'est formé autrement. Ben, disons que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire un petit spectacle à Dorval. Et puis, vu que je participais déjà dans ce groupe-ci, qui se trouve être une chorale d'église, j'aurais demandé à quelques filles de me donner un petit coup de main, disons, on pourrait dire, pour faire ce spectacle-là. Et puis, on a pratiqué environ un mois, peut-être ensemble, et puis on a fait notre spectacle à Dorval. Et puis, ça a bien marché. Et puis, depuis ce temps-là, ben disons que jusqu'à date, on a fait Dorval, on fait ça ici, présentement. Et puis, on n'entrevoit vraiment pas rien pour le futur, mais disons qu'on est ouvert à plusieurs choses, parce que, comme vous avez pu le constater aujourd'hui, il y a du talent, disons, il s'agit juste de l'exploiter. Mm-hmm. Et puis, en fin de compte, tout ce roman-ci de personnes-là, ça, tu me dis que ça vient d'une chorale. Une chorale d'église, depuis, c'est ça. Plein bout de temps? Mais disons, la chorale, ça fait environ 4 ans que c'est formé, et puis moi, je me suis infiltré, on pourrait dire, il y a environ 2 ans de ça seulement. Et puis, disons qu'on a fait des mariages, on a fait un autre spectacle avant ça à Laval. Et puis, notre spectacle à Dorval, c'était vraiment notre premier spectacle, on pourrait dire, qui demandait un petit peu plus de préparation, parce qu'il fallait que ce soit un petit peu plus professionnel, tu sais. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, 5 ans à peu près. Ben oui. Puis ce temps-là, il a dû évoluer un petit peu. Oh, ben, disons que j'ai appris une couple d'accords de plus à la guitare. Et puis, disons que j'ai changé mes cordes de guitare une couple de fois, depuis la dernière fois. Mais disons qu'au point de vue musique, ça a évolué tranquillement. Disons, je ne suis pas un gars pressé. Est-ce qu'on a constaté que tu as plusieurs de ces chansons, là, quelques-unes donc on a interprétées aujourd'hui? Oui, disons. Qui sont oui, de toi. Oui, oui. Comme les chansons qu'on a faites, il y en a une couple que disons que j'ai faites, que j'avais déjà dans ce temps-là, mais que c'était pas le temps vraiment d'y sortir. Mm-hmm. C'était une question d'avoir le bon groupe, c'est pour le faire. Puis là, c'est fait. Ben, ça s'en vient. Ah, OK. Ça s'en vient. Dave, I'd like you to introduce a few of your friends around okay, here. Okay, so... We'll, one of the guys on there. Okay, we'll just tell each other's names. Okay, my name is Glen Mars. Okay, this is Robert. Okay, we have here. My name is Julian Ireland. And? Bob Dandridge. Okay, you guys here, before we go and see the ladies in the back, we're polite today. We're starting with the boys. What brought you with this group? The choir. The choir? Everybody was in the choir yourself? Yeah, I was in the choir too, yeah. And how did you find your first experience going around doing some shows? Different. Different? Yeah, it must be. Hey, it was very enjoyable too. I really like doing it. No. You must pass a lot of time with it. Yeah, like, yeah. Do you have any advice to give new groups just starting off like yourselves? The advice I would give is just do your best if you can, you know? That's how I started off. I mean, I did my best, and I'm trying my best too. So. You find yourself getting under pressure a lot with the group. Yeah, in a way. Really, it's there's a lot of pressure. How do you handle it? Just try and keep your calm. I guess it's the only thing you can do, really. Mm-hmm. Maybe we'll go and see the ladies in the back. Okay, Dave, you have the chance of interviewing a few of them, and then in French, I'll do a few also. Okay, so we'll just go around. You can do with them before. Mentoring your names, okay? My name is Regina Paré. Debbie Morris. Francine Ouellette. Okay, there goes the microphone in the back. Anybody could go around. Gerry Lewis. Sharon Debra. Laura Lemire. Pamela Hayes. Pat Hamlin. Pat, how long have you been with the group? 2 months. 2 months? We've been together 2 months. Do you enjoy working with these people? Yeah, it's a lot of fun. How many of you play any instruments? What do you play? Guitar. Anybody play the piano? Yeah. No? This means there's a lot of possibilities. Yeah. The group we saw the guys playing guitar today, we didn't see the girls. Is there any reason coming in the next show, eh? Any reason for no girls playing
guitar in the group? We haven't been asked. Okay, Robert, this is your job. Or the manager's job. We'll see about it. Maybe I could ask a few questions in French. What do we have here? Francine? Mm-hmm. Who's Francine? Francine est là. Francine, toi, tu fais partie du groupe qui, on vient de le mentionner, c'était une chorale auparavant. Est-ce que vous êtes toujours dans la même dernière chorale? Oui. Et puis, comment t'aimes ça, faire ça, ce genre? Ça vous demande beaucoup de travail? Pas mal, oui. Il y aura également Pathé qui peut nous dire quelques mots français? Oui. OK, Pathé qui est là. Qui, qu'est-ce que tu as fait tout à l'heure? Là? Je ne me souviens pas exactement de spectacle. Brown Girl on the Rain. Ah ok, tu étais dans le spectacle tout à l'heure, qu'on vient juste de voir avant cette interview. Et puis, comment t'aimes les chansons que c'est Robert, les deux chansons, je pense qu'on est sur 10, c'est Robert qui les a composées. Comment tu aimes ça, chanter ça avec le groupe? Une chanson c'était de Robert, puis l'autre c'était de Julian, mais les deux chansons sont originales. Oui. Et puis avec le groupe, à part ça, là, ça fait bien parce qu'on entend les voix des gars, des filles aussi en même temps. Là, ça fait vraiment complet, je trouve. Ouais. Il y a également Sharon qui est avec nous. Sharon qui est juste en arrière de moi. Mais je ne vais pas me tourner, je vais lui demander, elle, comment elle trouve son expérience. J'aime ça beaucoup. T'aimes c'est indifférent. Comment tu trouves ça? Est-ce que c'est difficile de travailler? Est-ce que tu, premièrement, est-ce que tu es française ou anglaise? Il me semble que tu es les deux. Non, mais je veux simplement te demander ça dans le sens que est-ce que c'est difficile de travailler si tu étais simplement française, est-ce que tu as de la difficulté à travailler parce que tout le monde était en majorité anglais, non? Mon père est français, ma mère est anglaise. Donc, à la maison, on parle les deux, mais la petite, c'est anglais. D'habitude, c'est anglais, alors t'as pas de problème de ce côté-là. Il y a également Wendy qui est avec nous. Wendy qui a dit qu'il ferait son possible pour nous dire quelques mots en français parce qu'elle est également anglaise. Wendy, bonjour. Quel âge tu as, toi? J'ai 12 ans. T'as 12 ans. Alors, je pense que, d'après ce que Robert m'a dit au tout début, on varie les âges entre 12 et 19 ans. Alors, Wendy, qui est une des plus jeunes du groupe, comment t'aimes ça travailler avec des plus vieux? J'aime ça. T'aimes ça? Oui. Et puis, est-ce que t'aimerais ça que le groupe puisse continuer à travailler ensemble? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de possibilités? Est-ce que vous pensez, les filles, là, parmi toutes vous autres, est-ce qu'il y a des possibilités dans le groupe là, de pouvoir vraiment exploiter quelque chose? Oui. Toutes sortes de choses comme ça. Est-ce que vous avez déjà participé avec les chorales, puis ça, alors, ça veut dire que vraiment vous êtes capable de faire toutes sortes de choses. Alors, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous autres, d'avoir fait ce petit bout de spectacle, spécialement pour le Canal 5. En même temps, j'espère que ça va pouvoir vous aider, peut-être dans un sens, c'est que le groupe peut-être pourrait aller donner quelques petites soirées de spectacle, ici et là. Alors, j'espère qu'avec cette bobine, il y aura des gens qui verront ça, puis peut-être les inviteront. On l'espère bien. Bob, you have a few words before the yes, end? Yes, I do. Just before we go, Labor Day weekend, Gerry Lewis Telethon will be on the air. And I don't know if you realize, but just sit back and think, not many children could do what we have just done today. So if you want a lot of children to get up and walk on their feet, please contribute to Gerry Lewis Telethon. And I wish this group, George, the best of luck in the future, and I hope they go where they want to go. Thank you. Robert, j'aimerais ça que tu nous traduises ça en français, parce que je pense que le groupe a beaucoup a mis d'efforts dans les dernières années sur le Téléthon de Gerry Lewis, et puis je pense que, étant donné que cette émission passera cette semaine-ci, et puis que le Téléthon est justement dans la journée de dimanche à lundi prochain, tu veux peut-être lancer le message en même temps à toute la population qui nous écoute? Bon, ça c'est pour toute la population, tous ceux qui écoutent. Tous ceux qui sont capables d'écouter sans voir, tous ceux qui sont capables de voir sans écouter, tous ceux qui sont capables de marcher, tous ceux qui ne sont pas capables de marcher. Disons que, comme Dave a dit, il y en a qui ne sont pas capables de faire ça, et puis c'est bien heureux pour nous autres qu'on puisse le faire, mais disons qu'il faut penser à ceux qui ne sont pas capables de le faire. Et puis qu'il y a des gens qui seront capables de faire justement des recherches et puis des contributions dans cette direction-là. Et puis, je pense que il s'agit de mettre un petit peu de soi-même et puis d'y penser un peu. Alors, le Téléthon, je vous rappelle, est dimanche, dans la journée de dimanche à lundi. C'est un 24 heures, Gerry Lewis, qui, évidemment, anime cette émission-là. Et puis, la chorale est bien tenue absolument ce soir à au moins vous lancer le message, étant donné que nous allons capter ces images-là par l'entremise de différents postes à travers les chaînes qu'on reçoit ici par l'entremise du câble. Alors, j'espère que vous serez généreux en même temps. C'est une invitation que la chorale ou également le groupe George vous lance
par ce petit spectacle qu'on vient de voir. Alors, on va terminer avec une dernière chanson, toujours une autre composition du groupe. Monsieur Ireland, ici. Oui. Et puis, on espère que vous avez aimé cette émission de ce soir. Thank you very much, all the group. And now we'll be going to see and listen to the last piece of music. It's another composition of Julian. Julian, okay, it's called it. Happiness is Always There. Okay, we'll see you in a moment. This smile's a special